En gros, à un moment, à Shenzhen, ils avaient fait un peu pareil. En mode, tu pouvais looter des full Kevlar partout. Et dis-toi déjà que les full Kevlar, c'était vraiment le truc le plus OP du jeu, tu vois. Dis-toi que, pourtant, sur H1Z1, c'est la moitié de ta vie que ça rajoute. En gros, c'est un tank de balles. À l'époque, on t'en tuait avec 4 si t'avais pas de Kevlar. Et là, en fait, du coup, bah, là, c'est carrément, si tu peux... Comme si sur H1Z1, en fait, t'avais 2 full Kevlar sur toi, tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un qui loot a 2 full Kevlar. C'est sûr que Stormen, même si je suis en face de lui et que je suis moins bon que lui, j'ai 2 full Kevlar et je joue en... Pff, non, c'est quand même Stormen. Stormen met des tutaps. Mais sur ce jeu, c'est pas forcément basé sur le tutap et... Pas basé sur le tutap et du coup, bah, pff, les popos, surtout avec le pompe aussi fort sur le jeu... Après, je te cache pas, si t'aimes pas que je dise mon avis, bro, tu vas pas m'aimer, hein, parce que moi, je suis le premier à... premier à dire quand je vais bien, mais je suis aussi le premier à... ça se voit, là. Je suis le premier à dire quand... quand c'est pas bien, quoi. Je me tâte à la mettre maintenant, vu que j'ai pas de vrai pompe. Bah allons-y, de toute façon au pire je pourrais trouver d'autres pour plus tard. Il y avait 200 HP aussi. Faut juste pas full avec cette arme. En fait, le truc c'est qu'avec l'air bleu, tu peux full. Bon, ça dépend des distances, hein. Mais je trouve qu'en dégâts par seconde, elle est plus forte du coup, parce qu'elle tire plus vite et tu peux full. Est-ce que les coffres du sapin ont été lootés? Ouais, bon bah déjà top 20, 4 kills. Je pense sur un pleasant, je peux doubler ce nombre de kills. En vrai, je peux être au même point, mais avec au moins 8 kills, voire 10 kills. Mais en fait, faut rush deep en fait. Faut y aller en mode YOLO un peu et. Un peu comme sur H1 et sans battre les couilles du win rate ou quoi que ce soit. Et bah moi tryhard de ce côté je loot pour avoir des popos. Parce que bah dites-vous qu'au tout début de la game j'ai bu 2 popos donc c'est 10 secondes. 10 secondes c'est énorme. Juste le temps d'aller chercher justement ces mêmes coffres. Ça va rendre le jeu un peu moins. Je pense qu'au bout d'un moment ils vont faire quelque chose pour les popos, c'est sûr. Que ça rajoute un côté random dans le jeu qui. À moins justement qu'ils fassent un peu à la façon PBG. En mode pas casu vous savez mais genre. En gros, aujourd'hui, tu donnes à un casu, un mec qui commence le jeu, la possibilité d'avoir que 50 HP bonus à la place de 200. Dites-vous que du coup, il gagnera peut-être moins de duels qu'il gagnait justement avec son surplus d'HP. Et du coup, c'est peut-être le joueur susceptible de quitter le jeu. Et en vrai, du coup, est-ce que du coup, ils auraient pas cette peur-là et le feraient pas? C'est la question. Je sais qu'il y avait un tweet sur. Il y avait un topic sur. Sur Reddit justement de gens qui se plaignaient justement de la popo etc. Il y avait des gens du staff de Fortnite qui répondaient et qui étaient en train de voir pour la meilleure solution adaptée. Donc c'était il y a un moment que j'ai checké ça. Mais la meilleure solution si pour eux c'est de rajouter des popos en plus pour qu'en gros il y ait ce côté bon bah du coup tout le monde en aura genre. C'est relou quoi. Bon, il y a déjà quelqu'un qui passait par là. Parce que... What? Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est qu'il avait des popos de poche justement et qu'il s'en est remis, c'est ça? Comment il a pu tant qu'autant de dégâts là? Comment il a pu tant qu'autant de dégâts en vrai? Chiant.
pas d'autres construits en vrai. Il y avait quoi ici? Kit. Ouh, coco bleu. C'est un bug ou il est vraiment ouvert? Il est dans la zone, ça m'étonnerait quand même si. Ok. Ce qui est bien, c'est. En fait, non, je pense que du coup, là, ils sont partis dans un délire de mettre de la popo partout en fait. C'est pas possible. Hein. Je crois vraiment qu'ils ont fait ça en fait. C'était pas vert ça. Hein. Je crois qu'en vrai ils sont partis dans un délire de mettre de la popo partout et que du coup en fait que t'arrives à un stade où... Que t'arrives à un stade où genre en fait tout le monde se bague de la popo. J'ai plus de... Tu vois là avec l'air bleu 100% je le touchais là. Là où j'ai quand j'ai tiré. Genre vraiment 100%. En fait j'ai tué des gens mais j'ai pas été... Je suis pas parti. Je suis pas de ça. Il est au top là? Il est où? Je crois qu'il est au top. Hein. C'est le mec de là-bas là. En vrai. Enfin, je pense. Je vais prendre les deux loot que j'ai pris. Ah, au moins un, j'ai assez de... Ouais j'ai du bois. Attends, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le dos qui a pris le loot? Il y a un gauche aussi qui a pris le loot. C'est que j'ai plus de popo bleu. C'est bien passé là. Faut pas des... Non, dis pas plus. Genre pensez, attention qu'il y a peut-être prend une balle de sniper pendant qu'il boit la popo. Et ça passe. Attends, j'ai hâte d'aller voir les popos qu'il y a là. Il y en a combien? Oh, il n'y en a que 7. Je peux plus bouger. Hop, 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 hop.
sud. Il y a quoi le sud droit? Ah ouais. Didi, good fight! Bon, après, quand il m'a touché, j'avoue que j'ai commencé à. Surtout quand je l'ai retouché derrière et que je l'ai pas tué, j'étais là en mode. Attends, je vais perdre la game là en prolant. Je suis un gamin, j'avoue. Désolé. Ouais, y a quand même un point positif, c'est que vu qu'il y en a masse et que les mecs sont... En fait, faudrait juste qu'ils suppriment les popos bleus en fait. Non. Ouais, je sais pas. En vrai, ce système de cartes, tu vois, genre où tu peux pas mettre plus que 150, c'est pas mal, tu vois. Oh, il a sauté à ce moment-là, vraiment. Mais what? Et là j'avoue il y a plus ce côté où du coup tu peux slay parce que du coup tu loot des popos bleus comme ça sur les gens parce qu'ils en trouvent masse et vu qu'ils peuvent en mettre que deux maximum. Donc il y a quand même ce côté positif tu vois, je vais pas venir. Et pour preuve hein, la game que j'ai gagnée juste avant, bah en late game du coup sur chacun des loots il y avait des popos bleus. En fait c'est juste l'early game en fait qui est totalement random du coup. Mais un bon joueur à 150 HP bah peut tuer un joueur nul avec 100, enfin 200 HP quoi, enfin le la différence du tilt par rapport au popo bah elle est moins grande. Donc en vrai je sais pas, à voir si c'est sur le long terme ou là c'est juste parce que je fais des spawns où les mecs ont fait que trouver des popos bleus tu vois. On pourrait faire plus de late game pour voir. À voir. J'ai encore vu des gens tirer, mais je peux pas vous dire. Voilà. Pourquoi? Mais attends, il y a un mec qui a tiré, mais en plus il prend pas les. Les coffres, genre? Ok, transition les potes. Exo il s'est fait ban parce qu'il a oublié de mettre du DVM derrière. Ah ouais? Mais ce que je comprends pas, c'est qu'en plus Solari n'a pas mis de délai en fait. C'est ça que je comprends pas. C'est moi quand je suis allé sur leur stream, c'était du direct. Donc c'est quoi la logique de dire pour éviter le stream hack, faut mettre du délai et eux ils en ont pas ou peu? Enfin, y a plein de choses que je comprends pas trop quoi, mais bon. S'ils ont du délai dans le jeu, ils ont 3 minutes aussi, ok. Bah ça va alors. Parce que les gens disaient qu'il y avait pas de délai du tout. Juste sur les pubs, ils en ont pas. Les backstab le kill que je voulais avoir. C'est possible. Y'a un mec derrière le bâtiment.
D'accord, il était dans le buisson. Ah, la gueule du type, quoi. On va voir un autre mec là-bas. Enfin, j'ai vu un autre mec là-bas. Enfin, lui, la gueule qu'il avait dans le jeu. Sur 8, nice shot. Bah, j'ai tout touché moi, hein. Je sais pas si c'est le Ronnie, mais j'ai tout touché. Hein. J'en ai mis 7. On en croise pas mal des gens sur le chemin là, bizarrement. Boisson, mes popos bleus là. Tu vois, en fait, je sais pas, est-ce que c'est le côté où tu vas trouver souvent des popos bleus sur les mecs que tu tues ou pas? Parce que vous avez vu la vitesse à laquelle tu les bois? C'est-à-dire que, genre, j'ai changé de tir avec un mec, je lui ai mis une tête donc j'avais l'avantage, il m'avait touché, je rebois une popo et je le push. Et lui, il a dû reboire de la popo aussi, tu vois. Genre, c'est ça indéfiniment. Enfin, je trouve ça. Pas, je trouve ça fort, hein. Enfin, c'est même plus fort à ce niveau-là. Un bandage, c'est combien ça, un bandage? 5 secondes? Non, c'est combien un bandage? Attends. En 4 secondes. Ok. Un bandage, c'est 4 secondes. Qui te redonne 15 HP. La popo te donne 25 instants. Ok, ok. Ça fout sa mort les duels en vrai. Bah ouais, après justement quand t'as un slayer et que tu vas au kill, ça peut être un avantage. Mais là tu vois par exemple j'ai tué 6 mecs sur le chemin, j'en ai eu aucune en plus des popos bleus. Tu vois ce que je veux dire? Par contre en early, bah j'ai tué un mec. Il y avait un mec qu'on avait 6. Et vu que de ce que je comprends c'est par stack de 3. Bah en fait ouais, 2 coffres en early. Non 7, il y en avait combien 7? Comment il pouvait en avoir 7? Ah non, c'est parce qu'en fait il en a trouvé 9, il en a bu 2. Ok. Je ne peux pas en voir plus. Donc ouais, le mec a fait des coffres au début, je sais pas ce qu'il a fait, et il a chopé 9 popos. En un peu plus d'une maison. Un peu moins d'une maison même. Au final.
L'autre 3 ça fait beaucoup je trouve aussi. Non, pour le coup j'essaie vraiment de trouver des côtés positifs, tu vois, pour le côté slay, ok c'est cool, mais faut revoir certains trucs quoi. Donc là par exemple le type, tu vois, il peut boire genre 2 popos et être à 50 HP. Alors j'étais en train de l'enculer. Ce n'est plus ça. Ah bah voilà, en parlant du loup. Donc ouais, je pense que c'est ce qu'il a fait. Je sais pas. Je sais pas quoi penser les gars, j'avoue. Ça dégage, j'ai mis une tête, du coup il y a peut-être les popos bleus. Je crois que j'allais tomber de plus haut, my bad. C'est où ça? C'est côté ou l'autre? Ça va être un... Il est toujours dans le buisson ou pas? Non, il est au rocher je crois. Excuse-moi, t'aurais pas des bandages si...
Quoi? Oh, pourquoi je peux pas traîner dans le dos? Chiant là parce que j'ai un vrai. J'ai la pierre posée vers les potes. Hein. J'ai tellement me soigner, lui met la pression de haut. On dirait Vanessa là quand elle se sent top là. Merde, je suis pas une fille. Bon, du coup, 6 games, 4 wins, let's go! En vrai, ce spawn il est cool, mais il est tellement all-in. Tu vois, je fais quoi là? Est-ce que je pars au kill ou est-ce que je pars à looter? Y'a personne derrière moi, donc là y'a peut-être 3 coms dans cette maison, tu vois.
se sont tués tous les deux ou quoi? Il est où le méchant? Wesh, il est où le méchant? Ah, il n'y a plus qu'une balle dedans, super. Je crois qu'ils se sont entretués les types. Balle dedans, va pas falloir que je me loupe. Non, ne tue pas, ne tue pas. Il l'a pas eu, je crois. Ok, tu tapes. Ouais, les gars, là, ça pue un petit peu trop. Sur quelqu'un le type. Il l'a pas tué je pense, vu comment il a joué. Parce que c'était le mec que j'ai vu bas maison après. C'était un... Il fait carotte le kill du coup par un campeur. Que 3 kills ici du coup. Ah non, ressourcer en popo. Violette pourtant un des hein. Bonjour, faudrait essayer de gagner une game je pense qu'avec des popos en fait tu peux. Où est-ce que t'as besoin d'autre truc? Ah non, quand même pas. Roby 1500 balles. Nice, j'ai lu. Bah du coup il a gagné la première et la dernière, c'est ça. Dommage en vrai parce que la première j'aurais une bullshit et j'aurais pu le tuer. Et Roby ouais actuellement c'est sûrement le meilleur joueur de PUBG les potes. Hein. Donc tant mieux qu'il arrive à le confirmer. De PUBG. De Fortnite. Donc tant mieux qu'il arrive à le confirmer en vrai. Après bon dites-vous que c'est un tournoi où il y a quand même 50 viewers, donc t'as 50 bambinos quand même. Et puis parmi les streamers, il n'y en a pas beaucoup de forts. Enfin de forts, vous m'avez compris. Parce que déjà faut partir du principe que par exemple des joueurs comme Skyheart ne le font pas à cause des sponsors aussi. Skyheart il est HP, du coup c'est un peu comme moi, il peut pas mettre sur son stream la pub pour un truc concurrent direct, parce que c'est du stream perso. C'est pas comme c'était genre. En gros là c'est comme si tu vois tu faisais une OP mais gratuite pour un truc concurrent quoi. Il y en a qui comprennent pas trop ce côté là. Ils comprennent pas, oui mais c'est un tournoi, pourquoi tu peux pas afficher. Mais en fait c'est ton image en fait que tu relis au tournoi. Mais du coup tu peux pas en fait, c'est comme si genre t'avais une copine et des fois en fait au vu de certains commentaires c'est comme si vous me disiez mais attends mais Gotha c'est pas parce que t'as une copine que t'as pas le droit d'en avoir une autre quoi, enfin même c'est que pour un... Oh non sérieux les dégâts là. C'est ce que je veux dire. Bah c'est un peu comme ça en fait. C'est comme si du coup en partenariat PC t'avais déjà une copine tu vois et que bah le tournoi t'obligeait à coucher avec une autre. Tu vois ou pas? C'est un peu ce délire là. Mon rôle.
J'aurais pu mourir en faisant le malin. Je sais pas qu'il a une erreur. Comparaison level Narcus. Ah ouais. Non mais c'est un peu ça pour ceux qui comprennent pas, tu vois. Quand tu t'en fous de ta copine encore, bon bah tu peux au pire, hein, genre. Mais ça n'a pas pris la R là. Oh. Tu vois, genre. Des fois il y a des trucs que. Genre t'es tellement bien que tu. En vrai, non, ce bazooka c'est quand même fort. En fait, le bazooka c'est fort contre les bons joueurs en fait. Le lance-grenade c'est meilleur contre les joueurs plus faibles. Regardez le lance-grenade. En tournoi, vaut mieux garder le lance-roquette, les gars. Parce qu'en gros, tu, à partir du moment où t'as pris la hauteur sur ton adversaire, tu gagnes à tous les coups. En gros, le lance-roquette il remplace le pompe limite en contre des bons joueurs. Ça donne un avantage considérable. Franchement, j'ai la flemme d'aller. J'ai déjà trop de popo là, j'ai trop la flemme d'aller chercher là, le bout qui est ici. Là. Et du coup, ouais, c'est un peu cette comparaison là. Il était là, il me voyait en l'air, il était « Comment je fais ?» Lui, j'aurais pu l'enfermer. Je pense que j'aurais pu l'enfermer, lui. On aurait pu troll, en vrai. En tout cas, cette game, au final, on a pas beaucoup de... comment ça s'appelle ? De kill, donc en vrai, on aurait pu pas troll, tu vois, mais... Non, vaut mieux pas troll. On a dit on gagne une petite game et comme ça après on peut aller tranquillement sur la stop. Ce jeu il est vraiment marrant quand même. Ouais. T'as tellement de possibilités en fait. Et du coup tu peux réunir performance et fun à la fois, du coup c'est trop bien genre. PUBG jamais tu peux te foutre de la gueule d'un mec. Là PUBG y'a un mec in scope, je fais genre. Genre sur PUBG, tu vois, tu peux pas genre faire ça. Devant un mec, tu vois ce que je veux dire? Oh, faut que j'arrive à le faire là, faut que j'arrive à le placer. Lui contre lui, j'aurais pu le faire en vrai. Tomber devant lui, faire ça et. On va essayer de le faire pour le top 1, les gars. C'est le mec qui est vraiment nul. S'il y a un mec nul et un mec fort, on essaie de tuer directement le mec fort et faire ça contre le dernier. Bon, si on arrive jusqu'à là, hein, bien entendu. Oui, je parle bien du principe, les gars, qu'on arrive jusqu'à là. Hein, ouais. Parce que je sens certains qui vont prendre au mot et qui vont être là, là, si je meurs avant. Alors, comme ça, hein, tu voulais troll le dernier, hein, et c'est déjà de gagner la game, pauvre con. Sale prétentieux, va. On les connaît, les gens, oui, du chat, là, on les connaît. Ouais, le tournoi Solari il est fini. Enfin, en tout cas pour moi, je. Bah, vu que si, il est fini. Vu que Roby il a gagné 1500. Donc la dernière game rapportait 1000. Bon, bah là, on voit plus personne quoi. Il est resté Vormek. Il reste plus que 15. 14. Il y a toujours pas de sniper aussi. Oh, c'est trop chiant cette zone pour rentrer pour trouver les gens. Tellement chiant. Quand la zone finit ici, c'est trop chiant. Ça campe tellement, tu vois tellement rien. Ça, c'est pour être un mec à tout moment. Ouais, je suis content pour Roby du coup. Je suis content pour Roby, il le mérite vraiment. Et c'est celui avec qui on a fait la vidéo, hein, pour ceux qui checkent un peu YouTube.
Dans mon équipe, moi j'étais avec Nox et justement j'étais contre Mikalo et Robux. On a fait un petit challenge, donc je spoil pas pour ceux qui l'ont pas encore vu. Mais Roby, il avait l'air super sympa, il avait l'air... même comme Mika disait à la fin de la vidéo, tu vois, genre « Oh, Roby est trop mignon, Gota !» Il me disait « Ouais, qui c'est qui a eu l'idée ? Putain, l'idée, elle est vraiment trop bonne, etc. » Enfin, il est trop gentil. Enfin, du peu que je le connais, en tout cas, il a l'air super gentil, donc à voir. Mais je suis content qu'il confirme un petit peu, tu vois. Bon, c'est pas non plus le tournoi, le... Justement, il y a pas mal de participants en moins, il y avait quand même pas mal de viewers et tout, qui faussait un peu le niveau du tournoi, hein. Je dis pas que tous les viewers sont nuls, hein, mais... C'est sûr que quand tu compares un viewer lambda à par exemple à un Skyheart, il y a quand même une grosse différence de niveau, tu vois. Parce que même dans les streamers, en vrai, il y a quoi? Il y a Roby, Nox. Est-ce que Nox a participé? Je suis même pas sûr que Nox a participé. Il y a Roby, Nox, XSO là. Roby, Nox, XSO et après... Après, je sais pas en vrai. Pourquoi ça l'a pas mis? Il a disparu mon piège. C'est quoi ce délire? Pourquoi mon piège a disparu? Après, je connais pas Yonix. Enfin, je le connais pas à son niveau sur Fortnite en vrai. Je pourrais pas te dire. Je sais même pas si c'est de tournoi. En vrai, bon, j'en ai marre de courir là, sérieusement là. Oh, la pire game quoi. Top 20, j'avais 7 kills et je me retrouve à 7 kills top 7 sans voir personne en courant partout. Putain, encore si je campais, je comprends rien. Mais là, gros, je suis en train de courir partout. Là. Putain. Là. Où sont les fucking méchants là? Oh. Nick c'est pas mauvais, ok ok. Mika était pas là non plus, j'avais dit Mika. Il n'y avait pas Mika. Il n'y avait pas Sky. Et après bon j'avoue moi je suis pas le mieux pour juger parce que je connais pas les niveaux de chacun. Je regarde pas beaucoup de streamers. Je regarde surtout ceux que je connais tu vois. Enfin, sinon ça je regarde pas grand monde. Bon là ça commence à être vite relou quoi. Je vais même pas faire 10 kills hein. C'est dingue hein. Je sens que quand je vais voir quelqu'un, en plus je vais me faire gangbang. T'as pas le temps de regarder streamer car tu stream 15 heures par jour, c'est pas faux. Quelqu'un m'avait dit que tu pouvais la mettre en courant. Il a voulu une bullshit. C'est pour ça que je me dis que les grenades, genre c'est trop fort, en vrai. Bon, tryhard, c'est vraiment trop fort. Qu'est-ce donc que ça?
Mais kit de soin. Oh les gars, j'ai la flemme de perdre 10 secondes encore plus. Hein. Mais pas que déjà la game est déjà merdique comme ça, les gars. Franchement, pour 25 HP là, j'ai une flemme. Mais comment il tue tout le monde lui? Il les tue où c'est tout le monde là? Y'a quelqu'un en l'air ou quoi? Ah, j'ai cru pendant un moment. Voilà, j'aurais même pas 10 kills. Et là, le bureau du karma. Non, mais tant pis, tiens, si je meurs, hein, t'as pas une grosse perte dans cette game. Tiens, là, j'ai même lâché la popo bleue. Ah ouais, je vais avoir comme ça. Allez, j'ai pas de cover, gros, tente un truc. C'est dingue, gros, il tente rien, je mets même pas de cover ni rien, quoi. En plus, il est dans la zone. Pas dans tête bouger ou quoi contre toi, bon. Non, ça va. Je tente rien comme ça là. Pire game de ma vie. Pire game de ma vie, vraiment. Putain.